et centrer l'air pur le jour, offrant aux êtres qui vont naître un monde en paix, de joie, d'amour. Préparons-nous à l'avenir, à la lumière riche et féconde. Pour être puissant, il faut s'unir. Unissons-nous pour la paix du monde. Pour que demain soit une réussite, il faut des êtres nouveaux, des novateurs. Vouloir, c'est pouvoir et sans limite. Faisons notre devoir avec le cœur. Cette naissance du nouveau monde se fait par stade dans le mystère, sur notre petite planète ronde qui toujours patiente tourne dans l'univers. Elle est le champ de bataille de la lumière triomphant, de l'indescriptible pagaille, d'archaïque système vacillant. Chacun sait en toute conscience qu'il s'agit là d'une ironie du sort. Servir la divine présence ou être adepte du veau d'or. Cet or, pur métal de lumière, fut converti par des malfaiteurs en vil métal, fauteur de guerre, couvrant la terre de sang. Des millénaires d'obscurantisme, de lutte pour le pouvoir et l'argent, ont fait régner l'antagonisme entre les peuples des cinq continents. De tout temps, en toute religion, il y eut des êtres de lumière. Ils portèrent avec abnégation la bonne parole sur toute la terre. Dans l'intelligence de l'homme nouveau se développe le concept cosmique que tout être humain à tous les niveaux est une parcelle infime d'un tout unique. Concernant Dieu, est-il chrétien, juif, musulman, bouddhiste? N'y a-t-il pas pour tous Dieu? Die.